Ça fait plusieurs mois que les deux joueurs s'entraînent pour cette journée. Une journée intense, filmée et devant public. L'occasion d'être évalué par un représentant des Bears de Chicago dans la NFL. C'est un rêve de jeunesse, que soit la Ligue canadienne ou la NFL, je veux juste continuer à jouer au prochain niveau. Il n'y a pas beaucoup de joueurs à ce niveau-là qui peuvent espérer à jouer au prochain niveau. On s'entraîne, ça fait 2-3 mois pour ça, donc c'est sûr qu'on allait être en mesure de performer aujourd'hui. Il fallait juste le prouver, puis je pense que tel aussi peut être fier de ces résultats-là. Classé 13e parmi les meilleurs espoirs du prochain repêchage de la Ligue canadienne de football, Adam Auclair croit être en mesure de se faire inviter à un camp professionnel avec sa performance d'aujourd'hui. J'ai battu mon record personnel de quelques pouces, donc je suis vraiment fier de moi. Puis quand je pense à ça, je recule de 4 ans en arrière. Jamais que j'aurais pensé que j'aurais eu un Pro Day, t'sais. Il faut dire que son rêve d'accéder un jour à la NFL est encouragé par son frère, un certain Anthony Auclair. Le joueur des Buccaneers de Tampa Bay avait d'ailleurs quelques conseils. C'est sûr qu'il m'a donné une couple de conseils avant la journée, puis il m'a dit d'avoir du fun aujourd'hui, puis c'est ce que j'ai eu. Je faisais une couple de jours avec Kettel, puis c'était ça l'important. De son côté, Kettel AC suscite déjà l'intérêt de deux équipes de la NFL. Les 49ers de San Francisco et les Bears de Chicago se sont déplacés à l'automne 2019 pour le voir en action. Le natif de Haïti voulait prouver que malgré sa taille imposante, il a beaucoup travaillé sur sa mobilité. Ce que je lui ai montré, c'est que je suis capable de bien bouger, je suis capable d'être bas. Fait que je pense que dans mes drills, j'ai fait ça, que je pouvais montrer que je pouvais bend mes genoux, pour montrer que je pouvais quand même bien bouger, surtout à pass protection. Kété Lassé a aussi pu compter sur une invitée bien spéciale, sa maman, qui s'est déplacée pour l'occasion. Une présence moins remarquée qu'un dépisteur de la NFL, mais qui vaut tout l'or du monde. Honnêtement, c'est rare qu'elle vienne me voir pour le football, mais je suis très content qu'elle puisse vivre ça avec moi. Puis, je suis vraiment désolé d'être un peu émotif, mais c'est vraiment une belle expérience de ma part. Je suis content qu'elle soit là.